Ça, c'est génial. Non, mais ça, c'est vraiment génial. C'est quoi? Un peigne de boîte à musique, probablement un diapason pour fabricant de peigne de boîte à musique. Je vois pas autrement. Tu l'as trouvé où, celui-là? Non, c'est incroyable, ça. Ah, mais les sons, ils sont géniaux. C'est magnifique. C'est mieux qu'une boîte à musique, en fait, encore. Tu peux choisir ta musique. Mais c'est ça, tu peux la faire toi-même. C'est ça qui est génial. Et puis, pose-la voir ici, peut-être ça résonne plus. Ouais, ah ouais, ça résonne à fond. Le verre vibre aussi, finalement. Moi, j'adore tous les sons. J'adore les sons. En fait, je suis attirée par les vieux instruments parce que j'aime pas le neuf. Pour moi, ça n'a pas d'âme, les choses neuves. J'aime bien les choses qui ont déjà quelque chose, qui ont déjà vécu. Mais c'est la même chose pour les maisons, c'est la même chose pour tout, en fait. J'aime... Même pour les gens, peut-être. Moi, j'adore les enfants, mais... Mais j'aime pas ce qui est neuf. Pour moi, ça n'a pas d'âme. Ça raconte quelque chose. L'objet, il me raconte quelque chose déjà. Il a une vibration différente parce qu'il a été utilisé déjà par d'autres personnes. C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsque c'est notre envie, de permettre à nos cœurs d'entrouvrir la fenêtre au soleil qui pénètre et qui nous rend meilleurs. Machine terrible pour faire des bruits encore plus terribles. Je te laisse essayer de tourner la manivelle. C'est quoi ce truc? C'est un truc qui sert à couper des trucs. On dirait un crapaud mécanique. Mais tu vois, ça c'est super, parce que ça, c'est pas vraiment un instrument. Ah bah non. Mais ça fait des milliers de sons super intéressants. Ça, c'est vraiment un truc que je pourrais utiliser dans mon prochain spectacle. Je suis une pure autodidacte, la musique. Parce que je suis une amatrice aussi. La voix, c'est mon instrument. Je peux assumer le fait d'être une chanteuse professionnelle. Mais pour le reste, je suis comme un enfant. J'aime goûter les sons. Enfin, goûter, écouter les sons. La montagne, ça, elle m'inspire beaucoup. Il faut la vivre, la montagne. Il faut être dedans, il faut la respirer. Il faut transpirer, il faut avoir froid. Il faut sentir les odeurs. Il faut avoir mal aux pieds, il faut avoir des cloques en montagne. C'est ça qu'il faut avoir. Quand je travaille, je prends toujours ce qu'il y a autour de moi comme source d'inspiration. Tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a une perception. Je reçois quelque chose. Je reçois la beauté ou je reçois un moment, la fragilité d'un moment. Et j'ai besoin de raconter ce que je ressens par rapport à ça. C'est ça qui déclenche la création en général. Yolo hulu. Il y a une grande authenticité dans la musique d'Edmé, une grande richesse. Elle a en même temps une grande force et puis en même temps une grande fragilité. La musique, ça nous réunit aussi. Doris, c'est une hyperactive. Elle joue du saxophone, elle chante. Et puis en plus de ça, elle est amie avec plein d'amis à moi.
qui sont tous des musiciens. Du coup, c'est un terrain où on aime bien se rencontrer. Être un rêve et passer doucement sur tes yeux endormis et te montrer le monde tel que je l'aimerais pour nouer lentement et lentement descendre en ton âme profonde. Un souffle et t'apporter parfois dans les soirs chauds d'été la fraîcheur des bruyères et laisser sur tes mains l'humide odeur des bois de temps en temps mêlée au parfum des rivières. Ce soir mélancolique et plein de mes pensées, ce soir impénétrable où l'on entend pleuvoir, où l'ombre par le vent est mollement bercée, ce soir capitonné de tendresse ce soir. Le mot artiste, c'est finalement la meilleure manière de me définir. Parce que je suis un peu une touche à tout, donc je suis une chanteuse, mais je bricole avec des instruments, je fais des spectacles, je dessine. Finalement, je suis une artiste, voilà. Mais le mot artiste m'a fait peur pendant passablement de temps, parce que c'est un truc un peu bizarre pour le milieu duquel je viens, pour ma famille. D'ailleurs, je le dis dans un de mes spectacles. Oh, celle-là, elle marche de zinc, c'est une artiste. Toi, mais t'as vu celui-là, comme il est bizarre, c'est un artiste. C'est un peu une manière de définir les drôles d'oiseaux, ceux qu'on n'arrivait pas tellement à mettre dans des cases. Ben là, il faut que tes notes, elles marchent avec les sonnettes. Ouais. Non, je ne descendrai pas de ma montagne. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un esprit un peu sapin de Noël. J'entends pas la montagne là-dedans. Non, mais t'as raison. Puis en plus, avec la guitare, je suis pas sûre que ça marchera. Non. Bon, je vais voir avec les grelots si c'est pas mieux. Puis tu vois, là, quand elle s'arrête, la roue, elle va commencer à faire un monstre potin, en fait. Ouais. Donc bon, là, pour la montagne, je sais pas, moi, c'est un morceau que j'imagine plus doux, plus suspendu. Comme quand tu es dans la montagne, puis tu as cette espèce de son, de respiration de la montagne, où tu as le son des cailloux qui se mélangent avec le torrent. Cette espèce de... Non, je ne descendrai pas de ma montagne. Je n'y retournerai pas. En bas, c'est le panier. Aujourd'hui, je peux dire que je vis de la musique. Ça veut dire que je crée des spectacles, je les produis. Ça veut aussi dire que je donne des cours de chant. Ça veut dire aussi que je donne des ateliers. Enfin voilà, il faut tenir son bateau. Du champagne. Jouir du panorama.
du champagne. Chez quelqu'un d'inclassable, on a de la peine à me mettre dans une case. Mais j'avais de la peine à comprendre pourquoi j'étais inclassable. Moi, j'avais toujours eu l'impression de faire les choses de manière normale, en fait. Du coup, je l'ai fait comme je l'ai fait, c'est tout. Et après, c'est les gens qui disent que je suis inclassable. Mais moi, j'ai l'impression d'être normale. Je suis une fille d'agriculteur. Alors, je suis née à Chezeaux, sur Lausanne. Et je suis extrêmement reconnaissante d'être née dans ce milieu-là. Ça m'a donné des souvenirs que je garderai jusqu'à la fin de mes jours. Mon père travaille encore sur le domaine, mais c'est mon frère qui a repris le domaine, donc mon père était encore un ouvrier. Ma maman, elle était institutrice, mais elle a pendant très longtemps aussi travaillé sur le domaine. C'est bon, on va pas faire de soucis. Salut les mecs! Adieu, ma fille. Adieu. Tu viens ramasser des cailloux? Bah ouais. Salut à tous. Alors, c'est quand tu viens pour ta dernière compta, les gamins, de temps en temps, marchent dessus. Ça, ouais, c'est pas très grave. Tarder, mais c'est temps, t'es débordé, il semble-t-il. Ouais, ouais, j'ai pas trop le temps. Alors, voilà. Ouais. Au lieu de causer, tu vas aller chercher les boulons, s'il te plaît. Quand j'étais petite, j'étais chiante. J'étais caractérielle, criseuse, bordélique, je bougeais dans tous les sens. À l'école, c'était l'horreur. Je m'emmerdais, quoi. Et j'étais très peu stimulée. Et en fait, si je regarde dans mon parcours, à part apprendre à écrire et à lire, rien de ce que j'ai appris à l'école m'a été utile, vraiment. J'ai vraiment tout appris par moi-même après. J'ai réalisé que j'avais des dons artistiques, mais j'ai pas réalisé que c'était des dons très vite. Ça, j'ai tout de suite été très bonne en dessin. J'avais vraiment énormément de plaisir quand j'ai commencé à aller dans des cours de danse. Par contre, j'avais pas l'impression que c'était un don, parce que justement, c'est pas ça qui fascinait mes parents, qui plaisait à mon papa, disons. Des trois enfants, c'est toi qui m'as fait le plus peur en permanence. T'es d'accord que t'étais pas facile à gérer, hein, dans ta jeunesse? Non, mais j'ai plutôt bien tourné, quand même. Allons-y comme ça, mais moi, je me rappelle du passé. Ouais. Et de certains événements, t'étais un peu criseuse, un peu grogneuse, t'avais du caractère à n'en plus finir. Et puis, en fait, t'obéissais pas à ton papa. C'était une tradition. Non, mais sérieux, je t'obéissais jamais. Ben écoute, ton papa qui est très traditionnaliste, il aurait voulu que tu fasses un métier, puis après tu fais ce que tu veux. Mais toi, t'as fait ce que tu veux tout de suite. Je crois qu'en fait, on se ressemble parce qu'on a les deux à peu près les mêmes problèmes. Moi, j'ai fait de la psy, je crois qu'elle aussi. Donc, finalement, c'est sur ce plan-là, on se comprend bien. Donc, les peurs sont certainement irrationnelles, mais moi... Je suis pour la sécurité, pour le... Alors, évidemment, le monde des artistes, bon, déjà, financièrement, c'est dur. Et je la comprends pas avec toutes les possibilités qu'elle avait. Elle aurait pu faire institutrice. Mais enfin, c'est fait, c'est fait. Puis, au résultat final, disons, ça joue. Aujourd'hui, j'aime bien la place que j'ai dans ma famille. J'ai aussi moins besoin d'être connue. Avant, je pense que j'avais vraiment un manque, j'avais besoin de l'approbation, de la reconnaissance de mon papa, de tous les membres de ma famille. Mais ça m'a passé, en fait, ça a tourné, ça a basculé. Voilà, j'ai trouvé une sorte d'harmonie et une place. Ces chips sont super bonnes. Je revendique mes racines campagnardes. Et d'ailleurs, dans mes spectacles, j'en parle de ça. J'aurais bien voulu être un garçon pour conduire les tracteurs et les camions. Oui, je sais, les tracteurs, c'est pas que pour les garçons.
Mais chez nous, les filles, ça ramasse les cailloux dans les champs de blé. Je suis beau et si fort, hein, garçon, que je croyais qu'ils avaient toujours raison. Si bien que je n'ai jamais osé dire non aux garçons qui ont des gros biscottos dans les champs de blé. Dans les champs de blé. J'ai jamais habité dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Je suis née au bord d'une rivière. Et maintenant que je suis à Vevey, il y a le lac. Je pense que l'eau, c'est un de mes éléments préférés. L'eau, c'est vital pour moi. C'est un élément vital. C'est parce que c'est du mouvement. Donc en fait, c'est permanent, mais impermanent. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais l'attraper. Ce sera toujours une autre goutte d'eau. Ce sera toujours, mais ce sera quand même toujours le même lac et toujours la même rivière. J'ai besoin d'être dedans, de toucher, de sentir les textures, de respirer. J'adore les odeurs dans la nature, elles sont tellement fortes. Oh, t'as déjà vachement bien avancé, toi. Ouais. Ça fait un petit moment quand même que je suis dessus. Et puis toi, tu vas faire quoi? Oh, moi, je sais pas. Je vais gribouiller, quoi. C'est vrai, ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'aurais jamais trouvé cet endroit sans toi. Moi, j'adore ce mélange, en fait, c'est vrai. Le mélange de la roche, de l'eau, de la mousse, de la terre. Fionka, justement, tu peux le raconter de mille façons, mais en fait, c'est les yeux, surtout par le regard et les oreilles que tu peux le raconter, quoi. Ouais. Alors, je me suis beaucoup inspirée de ça quand je peignais encore, en fait. Bon, maintenant, ça manque de gris. J'ai mis les lumières. Maintenant, mis la lumière, maintenant, dans l'ombre. Maintenant, faut mettre de l'ombre. Comme dans le ciel. Ouais. Edmé, c'est quelqu'un qui est fortement spécial. Et, et la vie, elle est beaucoup mieux avec ces gens-là, non? C'est plus intéressant. Et c'est plus vivant. Ça donne plus envie aussi, c'est communicatif. Hein. Ça donne envie à soi de se rêver davantage et de s'amuser aussi davantage. Au ciel, à la météo, aux étoiles. C'est quelque chose qui m'habite depuis que je suis petite.
grand-père avait une lunette pour observer les étoiles. Et puis, il y avait une tradition dans la famille, c'est qu'une fois que le blé était coupé, on mettait des lits de camp dans les étroubles. Et puis, on dormait à la belle étoile en août pour regarder les étoiles filantes. Et ça, c'est ce qui m'a continué de me fasciner après adulte. Oui, Jupiter, on verra Jupiter. Alors vas-y, tu peux monter, tu vas pouvoir observer dans le télescope. Ah ouais. Ah oui. Alors je vois des points très très lumineux. Ouais. Ça c'est quoi? C'est des étoiles? C'est des étoiles. L'étoile brillante qui est à droite, elle est peut-être qu'à quelques dizaines d'années-lumière de nous, alors que le groupe qui est à gauche... Mmh. Lui, il est plutôt à 15-20 000 années-lumière de nous. 15-20 000 années-lumière. Le mystère du ciel, c'est quelque chose qui m'intrigue. Parce que, en fait, c'est vertigineux, cet infini. On comprend rien. L'idée que l'univers, il est en perpétuelle expansion. L'idée qu'il y a un grand vide qui grandit. Quand j'y pense vraiment, quand j'essaye vraiment de ressentir ce que ça fait, ça me fout le vertige. Et ça me fascine, ça me fait rêver. Alors là, t'as un panel de photos qui ont toutes été faites depuis l'observatoire. Celle-là, elle est incroyable. Ça, tu vois depuis ici, tu peux voir ça, ouais. Comme ça. Tu la vois, ouais, comme la ça. La lune comme ça dans le télescope, on peut la voir. Waouh. Ouais. Et là, les cratères qu'on voit, ça, c'est une centaine de kilomètres, à peu près. C'est immense. Ouais. Nous sommes bien peu de choses. Ça, c'est quoi, par exemple? C'est quoi? C'est des montagnes? Ouais, là, c'est des montagnes. Puis alors, ce qui est rigolo, c'est que ces montagnes-là, la vallée qui est ici s'appelle la vallée des Alpes. Donc, même sur la lune, on a les Alpes, on a le Jura, on a les Apennins, on a... Moi, ce qui me fascine le plus, en fait, avec ça, enfin, j'ai essayé plein de fois, dans mes trois derniers spectacles, de faire une chanson ou deux sur toutes ces choses qui me fascinent, que je trouve d'une poésie absolue, mais c'est tellement énorme que c'est impossible de raconter. Enfin, moi, j'arrive pas, je suis incapable de raconter ce que je ressens vraiment en face de ça. J'ai de la peine à mettre des mots dessus, ça me fascine les mots que tu mets dessus. Oui, mais c'est vrai que c'est l'avantage un peu de la... Au clair de la lune, je défie les étoiles, les relie une à une sur le fil de mon regard. Je fais fi des lacunes de notre sombre histoire. Au clair de la lune, l'ombre est plus jolie à voir. Je fais fi des lacunes de notre sombre histoire. Au clair de la lune, je n'ai plus peur du noir. Je n'ai plus peur du noir.